prochaine monte. Ouais, vas-y. 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 Hop, vas-y encore un peu. Ouais. Ah, bon. Là, on voit que les équipes. Le bridage, il est libre. Donc maintenant, il faut faire attention. Alors là, ce qu'il faut qu'on fasse, Jaz, on va couper le seau d'eau, tu l'as pris ou pas? Là, j'ai le seau du palan et le seau de... Bon, mais j'irai chercher le seau aussi de... d'eau. Donc, on va couper les brides bidon. Mais là, c'est bon, là, je le fais, là. Ouais. Mais on enlève celle-là. Ouais, et après, la grosse, droite, je l'enlève. De la double oreille, et après, on enlève l'autre. Allez, go. Tiens, prends les gants souples, là. Je prends les gants en cuir et tout. Vas-y, explique-moi. Voilà, donc ça c'est la partie supérieure qui va être bridée tout en haut de la charpente. Mmh. Ça c'est les deux œils qu'on va relier avec cette pièce-là. D'accord. Comme ça se faisait à l'époque. Voilà. D'accord. Qui est le maintien des oreilles. Alors. Alors la petite disque. Là, et ça a été fait à Strasbourg alors. Ça a été fait dans nos ateliers, oui, à Strasbourg. La nouvelle, on va couper l'autre. D'accord, ok. Une après l'autre. On la laisse jamais. Oui, pas de risque. De monter à la graisse et le filetage et on va ajuster la pièce sur place entre la cloche et la charpente. D'accord. Et là, voilà. Vous utilisez quoi? Une graisse marine mélangée avec une huile filandreuse. Tiens, et on va faire le montage. Tiens, mais à blanc, elle se monte. Ouais. Un biais. Bien, bien vu. Allez, monte à fond. Alors, tu me dis, voilà. Là, elle va boiter puisque de côté. Alors, toi, il faut que tu me la tiennes comme ça. Voilà. T'arrives ou... Ouais, ben là, je suis à fond. Voilà, comme ça et comme ça.